Ce congrès est un congrès important parce que c'est un carrefour où il y a une rencontre entre les chercheurs, les opérateurs, les associations, mais également les coopératives pour pouvoir parler de leur avenir et de partager un peu les expériences. Nous avons réalisé d'énormes progrès puisque 150 000 hectares ont été réhabilités. Depuis le lancement du plan Maroc vert qui a commencé pour la partie Al-Ghania en 2014. Et nous avons comme objectif de planter d'ici fin 2020 à peu près 5000 à 6000 hectares d'Al-Ghania intensif. Et donc le processus d'intensification va s'accélérer à l'avenir parce que la recherche a fait des progrès importante, ce qui va nous aider justement à aller de l'avant dans ce sens. Et bien sûr, l'homme ou la femme, surtout dans le cas d'espèce, est quelque chose est très importante parce que c'est elle qui porte ce projet. Et donc il va falloir continuer à l'accompagner pour améliorer ses conditions sociales, mais ses conditions de travail également. Je vous remercie. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.